Salut tout le monde, c'est Zootan, bienvenue dans ce nouvel épisode sur la série La Zone 52. Alors, très certainement le dernier épisode, je sais, j'avais dit ça la dernière fois, et au final on n'avait pas trouvé grand chose à part un document. Donc j'espère que cette fois-ci, ça sera pas fructueux comme la dernière fois. Logiquement, ça devrait être le dernier épisode. Hein. On a vu que juste depuis le début, un épisode était suffisant pour avoir un minimum d'éléments. Et que la stratégie des mappeurs est logique, c'est qu'il y a un document par bâtiment, on va pas en trouver 15 non plus dans le même bâtiment. Donc je vous rappelle au niveau de l'objectif, il y a 8 documents à trouver, 3 survivants. Donc pour l'instant, tout ça, on l'a. Et il nous reste donc le fameux document classé X. Donc pour l'instant, j'en ai pas la moindre idée d'où il peut être. Mais bon, logiquement, il devrait tomber aujourd'hui. Hein. Donc on va continuer l'excursion de cette petite map-là. Et j'espère, bah voilà, hein, j'espère encore une fois qu'on va trouver... un petit coffre. Qu'on va trouver le dernier élément, parce que la map est quand même très grande. On pourrait y passer un sacré bout de temps dessus. Tellement il y a deux choses à fouiller, à visiter, etc. Même au sein d'un bâtiment. C'est arrivé qu'on fouille un bâtiment, qu'on trouve un document et qu'on n'est pas terminé de fouiller par exemple tout le bateau ou tout le sous-marin. Maintenant voilà, l'objectif c'est pas non plus de faire 15 épisodes sur cette map là. Honnêtement voilà quoi. Ce serait quand même beaucoup trop chiant. Donc du coup toute cette partie là-bas a été faite. Donc là aujourd'hui on va essayer d'attaquer un endroit qui n'a pas encore été fait. Splash Regeneration, ouais. En même temps j'ai une potion vide là. Allez hop. Donc voilà, j'espère sincèrement qu'on va réussir à mettre la main sur le dernier document qui nous manque hein, quand même. Bon, il devrait pas rester énormément de bâtiments parce qu'on a quand même bien avancé. Ah, je peux pas aller là-dedans. On a quand même bien avancé, on a fait vraiment pas mal de choses. Donc on devrait vraiment être à la fin. J'espère en tout cas. Ok, donc des flèches, j'en ai pas besoin. Alors le radar ici, là, qu'on a vu tout à l'heure en passant à côté, on l'a pas fouillé encore. Bon, là, il n'y a rien. Bon, il n'y a rien. Comme d'hab, ça sert pas à grand chose, ça c'est plus de la décoration et je peux pas monter. Donc voilà, j'espère quand même vraiment qu'on va réussir à mettre la main sur le dernier élément. En tout cas, là il fait jour donc ça c'est bien parce qu'on est au moins on n'est pas trop pris d'assaut dans tous les sens. Alors, cette partie là-bas. Cette partie là-bas, elle a été faite. Ça, c'est quoi? Ah, ça, on l'a déjà fait dans un épisode précédent. C'est le hall où il y a tous les tanks qui sont alignés. Donc ça, on va laisser tomber. Tic, 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 tic. J'ai cru voir un coffre. Il y en a un ici. Bon, ok, hein, on va continuer l'exploration. Je pense pas qu'on arrive à trouver le dernier document comme ça, même le sol. Je ne pense vraiment pas. Je sais pas si j'ai déjà fait ce coffre là-bas ou pas. Et il y a des coffres un peu partout. Hein. À mon avis, c'est dans un bâtiment qu'on va le trouver. Hein. Mais bon, on sait jamais, je peux peut-être trouver des trucs intéressants. Bah, notamment de la potion de guérison, c'est vrai que ça peut être utile. Hein. Je vous rappelle que au tout début... Oui, j'ai déjà fait. Au tout début, lorsqu'on débarque de l'hélicoptère, j'ai fait le choix arbitraire de partir vers le sud de la map, en prenant l'hélicoptère comme point de repère.
Mais effectivement, je me doute bien qu'on peut partir dans n'importe quelle autre direction. Donc tous ces coffres-là sont là pour aider au cas où si on était parti par là, par exemple. Ok, bon, en nourriture, j'ai ce qu'il faut quand même, hein. J'ai largement de quoi faire. Allez hop. Donc ça c'est quoi? C'est un espèce de missile anti-aérien. Pif pouf pouf. Ici il y a un coffre. J'ai quasiment assez de sticks là bientôt pour pouvoir en faire une échelle pour aller voir le fameux endroit où j'ai pas réussi à grimper. Alors maintenant, est-ce que du coup c'est de l'autre côté que le document se trouve en plein air? Je suis pas persuadé, hein. Écoutez, on va continuer l'exploration. D'accord, ok, je vois où je suis revenu. Donc on a débuté ici, on est parti derrière, la plateforme pétrolière est par là-bas. On a fait tout le tour, on a fouillé un peu sur le milieu, même pas mal, parce qu'on a fait quasiment tous les bâtiments, on a continué à faire le tour. Ok, donc là il y a une tour, on va la faire. Et ensuite il y a un complexe là-bas et ce truc-là qu'on n'a pas fait. Bon, on va commencer par la tour. On va voir ce qu'il y a là-dedans. Table de craft, est-ce qu'il y a un intérêt? Bon, j'ai largement de quoi faire en nourriture. Je ramasse tout, mais bon, là, logiquement. Ah bah j'ai assez de sticks du coup pour faire mon échelle. Hein. Maintenant, est-ce qu'il y a un intérêt à revenir là-bas? Bon, ça on laisse tomber. Bon, pour l'instant, on va continuer notre ascension. Ah, un coffre tout en haut. Mais pas de documents. Pas de documents. Donc ça fait un bâtiment de plus de fouillés où il n'y a rien qui nous intéresse pour l'instant en tout cas. Est-ce que vraiment ça vaut le coup? Est-ce que vraiment ça vaut le coup? Il y a encore quand même pas mal de choses que j'ai pas fouillées. Je suis en train de me demander si ça a vraiment un intérêt d'aller mettre l'échelle là-bas pour faire l'espèce de petit parcours qu'on a vu, hein. Ici, je peux pas passer. Pour ça, je me demande vraiment si ça a un intérêt, si ça vaut le coup de retourner derrière. Un coffre avec pas grand-chose d'intéressant. Bon, j'ai pas l'air de pouvoir aller là-dedans. Et puis bah écoutez là-dedans non plus j'ai pas il n'y a pas l'air d'avoir grand chose ici hein. En plus il va bientôt faire nuit. Bon écoutez on va aller vers là-bas plutôt. Bon j'ai l'échelle les échelles qui sont faites et qui sont craftées. On sait jamais. Si je trouve rien par ici, éventuellement je me dis que pourrait y avoir un intérêt là-bas à faire le passage. Est-ce que je peux aller là-dessus ou pas? Ah, il y a une échelle. Une échelle, ça me paraît assez haut quand même. Par contre, c'est quoi? C'est des grilles, ça, donc je devrais pouvoir passer au travers, non? Taillot! Oui, je suis passé au travers. Il y a l'air d'avoir du monde là, parce que j'entends un sacré boucan. Histoire de bien mettre la pression. Bon, on va récupérer la nourriture même si j'ai de quoi faire.
Oula. Je pensais pas qu'il allait avoir le temps d'exploser. Hein. Allez, on va servir un petit peu de l'arc. Hein. J'ai de quoi faire et vu le bruit que j'entends, il y a l'air d'avoir beaucoup de peuple. Hein. Ok. Bien. Un Enderman. Je l'ai regardé ou pas, je sais pas. Si je l'ai regardé. Putain, par contre j'ai plus de potion de vision nocturne. T'es où? Où est-ce qu'il est? Ok, il est venu me mettre deux pichenettes. Il est venu me mettre deux trois claques et il s'est barré quoi. Super. Bon, je ne suis pas mort donc c'est là. Ok. T'es sérieux là? Allez hop, couché. Ok. Il a mis un bon coup de pression celui-là. Bon, ça ne m'intéresse pas. Allez, cours, cours, cours. Bon, pour l'instant, à part du long couloir, quelques ennemis et quelques petits coffres à droite à gauche, on n'a rien trouvé de. De très utile. Ok. Allez, bim. Voilà. Où est-ce que ça va me mener ce bordel là? Bon, au moins l'avantage c'est qu'il n'y a pas 50 chemins possibles, il suffit d'aller tout droit. Au moins on risque pas de se perdre. Hein. On dirait une espèce de bunker géant. Alors, ouais, franchement j'ai quand même de quoi faire. Bon, c'est pas grave, je récupère quand même tout, on sait jamais. Si à un moment donné je me retrouve à tourner en rond, ça pourrait être utile quand même. Hein. Ok. Ok. C'est quoi ça? J'apparais dans une grande salle. Président des États-Unis, Barack Obama. Franchement, il y aurait des chances à la limite de trouver le document que je recherche ici dans ce cas-là. Là, il y a une échelle. Est-ce que je peux. Oui, je peux aller là. Ah, il y a un coffre quand même bien protégé ici. Hein. Oh, yes! Ouais, je suis content là. Allez hop. Ça y est les amis, on a tous les éléments qu'il fallait trouver. Alors je suis quand même bien content parce que j'avais un peu peur. Le dernier épisode, on a quand même tourné un petit peu en rond avant de trouver le document qui nous manquait. Alors que là, on a trouvé ce qui nous manquait, donc c'est parfait. En même temps, c'est vrai qu'on a quand même fait quasiment toutes les structures. Réfléchissons, où est-ce que j'atterris? D'accord, donc j'atterris ici. D'accord, avec un comité d'accueil énorme et je reviens au niveau de la map. D'accord, bah écoutez, j'avais fait des échelles au final pour aller fouiller l'autre petit coin. Ouais, est-ce que ça vaut le coup d'aller jeter un œil? Je suis pas très loin en même temps.
Bon, en même temps, le but, c'est pas d'échouer la mission, hein. J'ai tout ce qu'il me faut. Et je suis censé rentrer vivant à la base. Oh, il y a du peuple, il y a du peuple. Oh là 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 là. Il y a du peuple. On va déjà manger un morceau. Dans tous les cas, là, on peut retourner à l'hélicoptère. La mission est terminée. Ouais, forcément, j'ai été un peu gourmand sur ce coup-là. Allez hop, cassos. On va regarder vite fait ce truc-là, à quoi ça peut servir. Bon, sachant que j'ai tous les documents, c'est pas quelque chose qui me sert pour la mission principale. Je suis bloqué. Bon, c'est quoi ce délire là? Ah, on dirait du fil barbelé ce truc là, sympa. Oh là là, franchement, c'est chiant ça. Ok, bon, allez hop, on rentre à la base. Ça me gonfle. Désolé pour ceux qui voulaient savoir ce qu'il y avait là-dedans. Mais s'il y a bien un truc dont je suis pas fan du tout dans Minecraft, c'est sur ce style de map comme ça, où il y a éventuellement des sauts de précision à faire. Franchement, Minecraft n'est pas fait pour ça, quoi. Donc, on va mettre les voiles et on va valider notre mission, tout simplement. Nickel. Ok, on va récupérer à bouffer. Voilà, il y a du peuple ici, comité d'accueil. On va nettoyer tout ça. Clac, clac. Nickel. Allez hop, direction. On va faire ça. Direction la plateforme avec l'hélicoptère pour terminer et valider notre mission. C'est parti, mon kiki. Hop là. Je pense qu'on a vraiment tout fait, hein. Peut-être, alors très sincèrement, il y a peut-être effectivement un ou deux bâtiments que l'on n'a pas visités. Donc ça, à la limite, hein, je vous laisserai le soin de faire un petit peu de tourisme là-dedans. Hein. Bon, en tout cas, c'était une très très belle map. Vraiment très sympa, il y a eu un boulot monstre de fait là-dessus. Donc franchement, bravo à la team Evenlord. Parce que ce que vous avez fait, les gars, c'est énorme. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette map-là avec vous, donc j'espère que c'est un plaisir partagé. Mais maintenant qu'on a tous les documents, cassos. Yo! Allez, venez me chercher, les gars! Voilà, voilà, les amis. Bah écoutez, sur ce... Objectif rempli, tous les documents, les survivants et le document classé X. J'espère que vous avez apprécié cette petite série. Je vous dis à très bientôt sur une autre série éventuellement. Est-ce que ce sera du Minecraft ou un WT sur un autre jeu, je verrai. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez apprécié. Un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à ma page YouTube pour être... à jour sur mes actualités. De la même manière, un petit tour sur la page Facebook afin d'avoir tous les liens en temps réel. Je vous dis à très 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 bientôt. Salut tout le monde, ciao ciao, portez-vous bien.